On l'a vu entier. Fail sur fail. Les mésaventures de Raiden. Et il me semble, oui, ça fait de la lumière. Donc tu peux te faire repérer si tu utilises ça. Ah, t'as le M9 aussi. Ce qui est bizarre avec Raiden, c'est qu'un coup il est très mauvais et un coup il est très bon. Oui, c'est bizarre. C'est, il a des... C'est très rare que je me fasse pas repérer sur cette mission. Qu'est-ce qu'on a comme item sinon? Gmail, super. Ouais. Ah, ça, ça peut servir par contre. Ça peut aider un peu. Regarde, c'est chier. Il me semble qu'il y a une arme en haut. Oh putain. Arrêtez de me plomber le cul. Oh la vache. Alors toi mon pote. Pratique. Ouais. Après t'as les lunettes thermiques. Ouais, mais le problème c'est... Je trouve que, enfin, je préférais les anciennes, et dans Substance, ils les ont changées. Ça fait des couleurs bizarres, les lunettes thermiques de Substance. D'accord. Et elles font un peu mal aux yeux, à vrai dire. Ah, celle-là, la force. Bon, celle-là font un peu mal aux yeux aussi, mais moins. Ouais. Il me semble que les deux dernières sont là. Ça marche si tu les assommes. Oui. Tu peux les assommer, tu peux utiliser le M9 aussi. D'accord. Pour le plaisir, je vais endormir le dernier. Je vais être gentil. Même s'il a pas forcément l'aide. Ah d'accord, il te voyait avec la glace. Mais comment il peut faire pour me voir? Voilà. Mission sûre. Alors il y a combien de missions dans ce mode? Alors, ça dépend des personnages, je crois qu'avec Raiden, il y en a 10. D'accord. On est rentré dans le classement, enfin tu es rentré. Oui. Atteignez l'objectif sans vous faire opérer. Wow. Ah, voilà, c'est là des triples fois que je te parlais. Il me semble, si je me trompe pas, je me souviens d'une mission, il y avait un grand monstre comme ça. Bah c'est ça. Donc là, c'est des gardes géants. Oui, mais t'avais une mission avec un personnage où tu devais en tuer un comme ça. Oui, t'as... Bah, avec tous les personnages, tu l'as, je crois. Le Gurlu... Je sais pas le Gurlugon, ouais. Le Gurlugon, voilà. Là, il faut pas que je me fasse repérer par les créatures. Ouais. Donc celle-là, si on n'y arrive pas, on n'insistera pas. Parce qu'elle est assez chiante. Elle est marrante, mais elle est chiante. Parce que les gardes... En fait... Ils ont vraiment des délires. Voilà. Ça, c'est un délire de japonais. Et regarde, regarde les écailles qu'ils ont dans le dos aussi. Ouais. Comme Godzilla, quoi. Et ouais, en fait, ces missions-là... on va dire, t'as pas une seule méthode, t'en as plusieurs. Ouais. Mais il faut que tu connaisses une méthode par cœur. Si tu veux vraiment arriver à l'objectif, sinon, si tu connais pas la méthode par cœur, si tu connais pas par cœur les moments où il tourne la tête, les moments où il se déplace, t'as aucun moyen de passer. D'accord. Donc c'est du par cœur ce niveau, c'est pour ça qu'on va pas insister si on n'y arrive pas. D'ailleurs, si tu échoues, on passera à la suivante tout de suite. Ça marche. En plus, je ne connais pas trop le niveau. Là t'es sur la bonne voie, ouais. Bon après faut que tu fasses gaffe parce que le garde en haut il a souvent tendance à regarder par la fenêtre. D'accord. Donc à la limite quand il tournera les pieds tu pourras peut-être continuer à monter. Et va-t'en, va-t'en, allez, allez. Faut de la patience aussi. Voilà, ça devrait être bon. Hein. J'ai dit ça devrait. Parce que, il peut y avoir un autre garde qui te voit, tu sais pas où, quoi, des fois. Ça arrive. Oui parce qu'il y en a de tous les côtés. Ouais. Ouais. Lui par exemple, il peut te faire chier. Il peut me voir, lui. Des fois, ils me montent sur, sur la pointe des pieds. Il faut que tu fasses gaffe. Je crois que l'objectif... Voilà. D'accord. Bon, là, tu t'es fait repérer, tu sais pas par qui, tu vois. Oui. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, on exit, on passe à la suite. Bon, c'est marrant, mais ouais. Bon. Non, il y en a 7, en fait. 7. Donc, le 7ème. Je trouvais ça assez marrant, mais bon. Ah, donc, c'est le Zako Survival. Donc, celui-là, j'adore ce mode. Je le trouve très sympa. Donc là, Raiden contre soldat. Donc on affronte juste un soldat. Ah, c'est comme quand tu affrontes des boss. D'ailleurs, j'ai même l'épée. Oui, c'est un peu comme le comment ça s'appelle le versus, enfin le boss survival. Je ouais, crois, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, donc c'est un peu pareil, sauf que là, ben, je vais affronter divers ennemis. Donc là, pour le moment, c'est juste un garde. D'accord. Et... Donc j'en profite pour prendre les items parce qu'ils vont disparaître après. Hein, c'est pour ça. Alors, j'imagine déjà qu'avec certains personnages, tu peux affronter des personnages assez marrants, non? On vous choque peut-être. Il
il y a toujours, enfin tu verras à la fin. J'imagine par exemple Meryl ou des choses comme ça, c'est une bonne. Je crois pas que c'est ça, mais par contre la difficulté est assez forcée assez, avec certains personnages. Ouais. Ça. On reviendra sur Tuxedo Snake. Le pétage de câble. Donc là juste des soldats normaux. C'est comme boulettes. Donc là ils sont plusieurs cette fois. Ah, ils sont très en colère. Donc j'essaie de prendre les items en premier lieu, d'ailleurs je me fais tirer dessus en les prenant, mais c'est pas grave. Un peu bourrin comme t'es. Ils ont les racines pour vous. Ouais. Hop, tout ça me sera très utile. Et alors tu as. J'ai vu que t'avais un temps de. Ah, je peux me déguiser en garde, donc je pense pas que ce soit très utile. Je vois pas trop l'utilité en fait. Peut-être pour passer dans d'autres certains soldats. Ouais, ça me paraît bizarre. C'est se déguiser. Peut-être que le PSG en va être très utile. Et donc t'as un temps global sur tous les. J'ai. Ouais, t'as 20 minutes pour finir le Zako Survival. Il est long ? Oh, ça va. Je pense que j'ai largement assez de 20 minutes. Je pense qu'en 10 minutes c'est bouclé. Ouais. Bon, c'est quand même un certain temps, mais bon. Bon, en même temps, tu peux utiliser un petit peu toutes les armes du jeu, hein. Ouais, c'est... Ah, il va tomber. Ah. Alors, il prend le temps de crier quand même, hein. Oui, il se prend plusieurs balles, mais il prend le temps de crier quand il tombe. Mais ça, ce qui est marrant, c'est que même quand il se prend une balle dans la tête, il crie quand même. Alors toi, mon pote, tu vas sortir ça. Donc... Oh, le con. Ah, les gardes sont pas totalement. Ouais. Stupides. Voilà, de toute façon, dans Metal Gear, ils sont quand même. Ça va. Bon, il y a quand même des fois. Il y a des défauts, mais. Il y a quand même des fois, c'est. On se marre quand même, tellement ils sont cons. Ouais. Donc là, c'est des Tengu plus des soldats. Donc les Tengu sont particulièrement dangereux. Des samouraïs, non ? Enfin, des. Des espèces de ninjas. Ça peut être avec des katanas, non ? Certains avec des katanas, d'autres avec des mitraillettes, ça dépend. Enfin, oui, il y a des mitraillettes, par exemple. On les rencontre tous les ennemis dans. Oui, on les rencontre. Ah, quand on a plus de vêtements, je crois. Non voilà, vers la fin du jeu. Ces ennemis sont assez nombreux d'ailleurs vers la fin. Ouais. Je me rappelle d'un. Ils sont particulièrement. Bah, limite, ils sont plus. C'est les gardes les plus intelligents. D'accord. Parce que. Ils sont très réactifs. Ce passage-là, ça me rappelle qu'à un moment, tu dois récupérer tes affaires. Non, et que j'étais dans un couloir, j'attendais, je suis tourné en rond dans le couloir, que Snake arrive. Oui, ce passage est un peu chiant parce que faut tourner en rond pendant un certain temps avant qu'il arrive. Ouais. Ah putain. J'ai utilisé une ration, c'est pas grave. Allez, on va ça. Je veux ma ration. D'accord. Là t'as fait tous les Tengus, et les Tengus. Je pense qu'il y en a plus, ouais. Normalement. Les Tengu, de toute façon, ils nous foncent dessus, ils sautent partout. Ouais. Donc c'est eux qu'on élimine en premier parce que sinon on est trop dérangés. Il y a quand même une certaine difficulté, hein, ils disent bien. Oui, oui, oui. Alors que là, c'est avec le personnage le plus simple. Ouais, alors j'imagine pas. Encore une fois, l'exemple qui revient, Tuxedo. Oui, oui, Tuxedo, et encore pire, Snake de MGS1. Ouais. Qui, que je n'ai pas testé du tout ces derniers temps, donc. Forcément c'est du gros bilisme. Ouais. Ah, le lance-grenade est vraiment pas pratique. Ouais, c'est sûr. Pas vraiment facile de viser. Ouais, ouais, non, je l'utilise comme ça, mais c'est, bon, c'est vrai que là. Oh, il me reste plus qu'une ration, il faut que je fasse gaffe. Il faudrait que j'essaie de brûler un peu moins. Ouais. J'ai utilisé le sniper pour le dernier. Enfin, le dernier moment, il en reste 3. Il y en a peut-être un en haut, ouais. Ah, le gars, c'est con. Oh, il y en a un qui arrive, il essaie de me prendre par surprise. Il va se foirer lamentablement. Merde! Oh, le fail! Il m'a foutu un uppercut. C'est assez drôle. Crève.
putain. Connard. C'est pas facile. Voilà.